asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and rays. Salut à tous et on se retrouve en compagnie de notre cher ami Gérald, coincé dans cet endroit lugubre après avoir brûlé toute la maison des chasseurs de sorcières, hein, l'avoir brûlé à l'aide d'une sorcière. Et regardez, bah, en fait il suffisait juste de casser le mur là où j'étais coincé au dernier épisode. Enfin coincé, oui non. Alors oui, non. Non, il suffisait pas de le brûler, mais de le détruire. Voilà, dégage. Et, ah, une cinématique, très bien. Et toi, oui, moi, c'est moi. Le ok, vieux très bien. Ancien. Quoi? Non, merde. Ça va, t'inquiète, Jérémy. J'irai bientôt. Comment ça, j'irai bientôt? Non, j'y vais tout de suite, parce que, bon... Ah oui, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok, bah, j'y vais tout de suite. Très bien, très bien. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Non, sans blague. As-tu cessé de me suivre? On se verrait pas souvent, en fait. Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Mais ça va, Babianoff, on va le retrouver, ton or. Des mots. Des mots durs. Disons, un coup d'épée, c'est un mot dur, oui. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Ouais, mais j'en ai pas vu trace. Oula, j'ai entendu un bruit d'épée là. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre trouvée sur Meg. Y a rien du tout là. Non, mais en fait, j'ai pas de clé. Ok, très bien. Pas les choses. What the fuck? Comme toujours. Tiens, je te donne. Ça, c'est comme les enfants. Bon, bah, on fait semblant que j'ai une clé dans la main, hein. Tiens, je te la donne. Oh là là, j'ai plus la clé, moi, du coup. Ouais. Et ma récompense? De toute façon, ma prime, d'abord. Ah, carrément, ouais. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culot? Bon, écoute, mec, je peux te casser la jambe quand je veux. Encore. Il y a des gens, ils se font massacrer à côté, rien à foutre, hein. Pas daigner m'en informer. Ça va, tu vas revoir ton or. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. Oh là là, mais ici les casse-couilles. Cette fois, oui, tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. Bon, file-moi le fric quand même. Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Ah bon, merci. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jasquier. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamur Lac, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement où. Une maison en ruine des faubourgs. Ah bah d'accord, lui le sait, il est au courant de tout. Il se montrera le soir même. Un peu avant minuit. Ouais, bah comment tu sais ça, ouais? Je devrais sûrement garder mes questions pour moi. Mais comment sais-tu ça? J'interprète le vol des oiseaux. Ah, d'accord, je comprends tout. Sarcasme sur la sang, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts. Crois-moi. Bah, moi, je veux pas dire, mais à côté, ça se bat, hein. Mais c'est plus de m'embobiner. Plus jamais. Et en plus, le combat, il a l'air de durer un petit moment, hein. D'accord, très bien. Ça a arrêté de se battre. Utilisez vos sens de sorceur pour trouver la boîte de dépôt. Placez-y le tome sacré pour indiquer que vous souhaitez rencontrer les spions. Bon bah on va faire ça. C'est qui se bat? C'est salaud. C'est vous là? Ah ouais, mais ils donnent des shoots. C'est quoi ça, ramasser? Du jambon, je prends. Eh, toi aussi t'as une tête de jambon. Je peux pas me battre moi aussi? Moi aussi je veux me battre là. Wouah. Allez! Non, je peux pas. J'ai pas l'air de pouvoir me battre, tant pis. Ici, ça brûle, tranquille. Allez, on va aller, du coup, ben, on va aller voir là-bas.
Ah, d'accord. Ah bah oui, bah écoute, les bandits, ils ont gagné. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Il a rien laissé, lui? Moi, si je vais parler aux bandits, qu'est-ce que ça fait? Ils veulent me battre aussi? Je perds mon temps. Non, pas du tout. Bon, bah, on va pas traîner, hein. Ça sert à rien. Oh, 200. Ouais, pourquoi n'essayez pas? Bah ouais, écoute, pourquoi personne n'essaye, hein? Des bandits! Ouais! Ah, voilà! Non, ouais, attends, j'ai pas beaucoup de vie, en fait. Aïe, arrêtez! Voilà, toi, tu meurs. Bon, moi, j'y vais à la barbare, ça y est, j'en ai marre. Hein. Je sais plus me battre, en fait, ça fait trop longtemps que je joue. J'ai pas joué. Oui, bah, c'est tout. Ok, très bien. Allez, on se barre. Qu'est-ce qu'il y a? Débrouille-toi tout seul. Oh là là, t'es pas marrant, ça. Moi, j'espérais un petit truc, comme ça. Mais non, débrouille-toi toute seule. La meuf, elle me laisse avec ma main et mon épée. Bah écoute, on peut faire des choses avec une main et une épée. Alors, c'est par là. 150 pas, on a même pas fait la moitié, très bien. Donc on y va, bon. On y va tranquille. Hein. De toute façon, on a le temps à observer le paysage, spire du roi des mendiants. On s'en fout. Alors, j'ai plus beaucoup de vie, mais bon, je pense pas que je vais devoir me battre bientôt. Du moins, pas contre quelqu'un de fort. Allez, cours! Oui, un ivrogne. C'est vraiment joli. Bon, voilà, c'est ici, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, du vent. Des gardes. Donc, c'est ici, l'hôtel est ici. Et elle est où la boîte aux lettres? Qu'est-ce qu'ils font? Mais arrêtez de dormir là! C'est pas parce qu'il y a du feu que. Ouais. Il se réchauffe auprès de l'hôtel, très bien, c'est un blasphème monumental. Et elle est où la poste là? Alors, la boîte de dépôt. Eh, c'est ça la boîte de dépôt? Non, pas du tout. S'il vous plaît, la boîte de dépôt, vous savez pas où elle est? Parce que moi, je la trouve pas. On peut pas ouvrir la porte? Verrouillé, très bien. Salut, petit... Non, je cherche la boîte de dépôt, en fait. C'est pas où elle est? Ah ouais, ah ça y est, les mendiants se lèvent. Bon, c'est peut-être ça, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah, j'ai vu un truc rouge. C'est là! Ah ah! Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. D'accord. Donc, soyez au point de rendez-vous juste avant minuit. Eh bien, on va attendre, alors. Non. Là, comme ça. On va méditer juste avant minuit. Ah, merde. Bon, bah, 23h, c'est très bien. Voilà, il est juste avant minuit. On est au point de rendez-vous. Maintenant, il suffit juste d'attendre. Allez. Oh non, le point de rendez-vous, c'est là-bas, mais oulala, moi d'accord, n'importe quoi, moi je croyais que c'était ici le point de rendez-vous. Je crois que c'est par du feu. Du coup, c'est à 260 pas, ouais, génial, on va faire encore plein de trajets. Bon, ben, je vais me téléporter, allez. Waouh, voilà, ok, bon, ben, c'est bon, on est arrivé. On est arrivé par la magie de la téléportation, hein, qui n'existe pas du tout dans The Witcher, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, si, elle existe, mais pas comme ça. Plus qu'à attendre. Bon, oh, bah vas-y. Je suis au point de rendez-vous, là. Il faut se cacher, t'es sérieux? Me repérer à cet endroit. Oh, mais t'es pas drôle. Regarde. Derrière la porte. La cachette idéale. Classique. Voilà. Je suis derrière la porte. Personne me voit. Et j'attends. Ah, mais je vais attendre comme ça jusqu'à minuit, là, ou bien... Personne qui arrive, là, hein. Eh oh! Alors, il est 23h57 et il n'y a toujours personne. Je commence à m'impatienter là, vraiment, vraiment! Allez, 58, 59. Allez, les minutes passées. Ah! Ah! La cinématique, je suis caché en plus, il n'y a personne qui me voit.
La porte s'ouvre et moi je suis assis là tranquillement, au calme. Ah mais du coup il rentre pas parce... Oh c'est une fille! Ah mais c'est Triss! What? Triss? Comment as-tu... Ah, Dijkstra, c'est ça? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. Ouais, t'es sûr que c'est pas toi là? Plafond effondré, mur couvert de salpêtre, chieurs de souris dans les coins. Ah, le vrai petit coin d'amour. Bah, moi ça me gênerait pas, hein, personne. Oh merde. Vite, chut, taisez-vous. On peut faire l'amour silencieusement si tu veux. Non? Ok. Meng? Non, ce n'est pas Meng! Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le purin, jusqu'au naseau. Bah, c'est un peu toi là qui est dans le purin, mec. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. Elle aimerait bien. Pardon. Ouais, je vais la. Moi, j'ai envie de. J'ai envie de retisser des liens en fait avec elle, alors. Et alors, c'est quand même une dame. Sont encore plus susceptibles. Waouh, arrête ça! Non mais arrête! Tu lui fais mal là! Ah non, bah d'accord, il tient le coup, bah vas-y, continue! Allez, on va faire le gentil flic! Non mais attends, je fais le gentil flic moi! Voilà, s'il te plaît! Ah voilà, obéis femme! On se met à table? Ah, elle s'arrête pas en plus hein! De la question. On cherche Jaskier. Bon, je sais même pas pourquoi. Il a capturé. Tout ça pour ça. Ma foutue ménestrelle. Ouais, mais c'est mon pote. Avant de voyer la cervelle avec votre sale magie. Incroyable. Tout ça pour un sale tympan. Ouais, on s'en fout, je vais pas m'excuser non plus pour Jaskier ce qu'elle a fait. Du temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Auxerre. Prévoyez. Disons que Meng n'est plus vraiment de... Comment peut-on de ce monde. Jaskier. Ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Auxerre. Ah merde. On trouvera un moyen. J'ai une idée, je te raconterai. Très intelligente cette Triss. Ouais, du coup, je peux pas vraiment. Bon, on va chercher quand même le magot parce que c'est vraiment intéressant. Enfin, on lui a promis, donc tant qu'à faire. J'en ai aucune idée. Comment ça? Vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la douleur revienne? Allez. Et je persiste à affirmer que je ne sais rien. Qu'en dites-vous? Tu penses qu'il dit la vérité? Il semblerait. Ouais. Ça va. Mec, il est limite en train de prendre feu, là. Bon, ça suffit, allez. Ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident et... Oui. Gérald. Je sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi je vous ai dit... Jamais je... Non, mais ne le tue pas. Soit j'efface sa mémoire. Bah, efface sa mémoire. Ôte-lui la mémoire, ouais, non. On est gentils, nous, hein. Je vous ai aidé. Je vous ai... Ah, d'accord, tu voulais mourir, excuse-moi. Isley. Angef. Voilà. Il a perdu la mémoire, au moins on l'a pas tué, on est gentils. Tu as sorti les griffes aujourd'hui. Ouais, mais j'aime bien ça, moi. Tu vois les choses? Je dirais plutôt que j'ai montré à quel point je ressemble à ces fumiers. Je... Finissons-en et filons. Je veux rentrer, prendre un bain et me saouler. Ah, en ma compagnie. Ouais, je te raccompagne. Pas aujourd'hui, Gérald. Ah merde! Oh, putain. C'est jamais aujourd'hui, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours quelque chose. Ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard? Meng est peut-être mort, mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes. Ouais, y a pas de souci. Bon, vas-y, c'est quoi ton idée du coup? Pour faire libérer Jaskier. Oui.
Nous savons qu'il est sur l'île, et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt, d'accord ? Ok. Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. Pourquoi il y a un portrait craché à... Ton vieil ami, Doudou Biberveld. Ah, effectivement. Plein, n'est-ce pas ? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet, mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. D'accord, oui. Ok, ok. J'ai même croisé des Doppler dans des quêtes secondaires, mais... des Doppler, pardon. Ça peut être sympa, petit Doppler, là, comme ça. Toi, je peux pas lui prendre ton arme, non ? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici ? Non. Par contre, tu me gênes, là. Je te marche dessus et... Allons parler à Priscilla, du coup, pour avoir un petit Doppler avec nous. Donc, les Doppler, hein, c'est les personnes qui se métamorphosent dans d'autres personnes. Voilà. Et donc, on va aller retrouver... oh là là, 300 pas, c'est long. Bon, bah, vas-y, re-téléportation. Wow. Calme-toi. Petit ivrogne, lève-toi, là. Tu es par terre, tu... Je risque de te marcher dessus. Donc c'est ici. Ah oui, Priscilla, c'est la blonde, là. Ça, hein, c'est la blonde, la copine à Jasquier. La très jolie blonde, d'ailleurs. Alors, où elle est ? Elle est en haut. Non, c'est pas par là, c'est par là. Si je me rappelle bien, c'est là. Pourquoi vous faites ces gros yeux ? Vous avez des gaz ? Oh, tu... Comment tu me parles, toi ? En plus, je vois pas du tout le rapport entre les gros yeux et les gaz, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, Priscilla, salut. Est-ce que tu connais un Doppler ? Je sais où se trouve Jasquier. Où ça ? Dans les cachots de l'île du Temple. On va le sauver, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas une blague. Mais nous allons le tirer de là. Triss a un plan. Il faut juste trouver Doudou. Doudou ? Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Ciri. À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mais bonne chance à vous. En fait, c'est le principe de The Witcher, quoi. Sur le bâtard. On cherche Ciri depuis tout le début. On peut demander à quelqu'un, il te dit où est Ciri, mais non, alors, ce quelqu'un va t'envoyer voir quelqu'un d'autre, enfin... Bref. Du coup, à la prochaine. Ok, c'est tout ce que tu voulais vous ? Ok, c'est tout ce que tu voulais vous, ouais. C'est tout ce que tu voulais dire. Non, je ne veux pas aller prendre le bateau vers Skellige. Je veux... enquête du petit bâtard. Il faut aller à l'arène du petit bâtard. Donc les petits bâtards, le petit Jon Snow. Il est où ? C'est loin ? Ouais, 170 pas. Allez, on y va, pas de cette fois. Pas de téléportation, pas de tricherie. Les cheats, c'est pour les casus. Nous ne sommes pas des casus. Hop. Voilà, on court 140 pas. Ça y est, on se rapproche. Bizarre. Quoi, bizarre ? Qu'est-ce qu'il y a, bizarre ? Ok, mec, Gérald, il pète des câbles des fois. Il s'arrête comme ça. Bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. Tout se passe naturellement. Il y a des ivrognes de partout, là, avec un cochon. Oh, le cochon ! Eh ben, jure, les cochons ! On peut les brûler, les cochons. Ouah ! Trop bien. Trop marrant. J'ai tué des cochons. Rôti de... Ah, rôti de porc, excellent. J'ai carrément eu le rôti. Très bien. Bon, bref. Tout ça pour avoir du rôti de porc. Qui est là ? Ah, le... Ah oui, évidemment. Non, toi tu... Aïe. Hop là, toi tu meurs. Et toi tu meurs. Aïe. Un bras coupé. Allez, ta tête de clown là. Alors, qu'est-ce qu'il dit Black M ? Bon, voilà. Alors, c'est par là.
Est-ce que je peux passer par là? Non, c'est pas du tout par là en fait. Par un petit chemin ici, mais il n'y a pas de petit chemin. Là, c'est la porte. Ah oui, c'est la porte. Effectivement. C'est par là. 78 pas, ça va. C'est plus. Oh là là, mais il y a du monde. Toi, tu meurs. Pourquoi il s'enfuit? Mais cours pas. What? Oh, mais arrêtez de courir. Lui, il veut pas mourir. Ok, bah écoute, tu me provoques, hein. À toi de subir les conséquences, moi je... Enfin bref. Les mecs, c'est des malades mentaux. Mais complètement. Donc c'est par là. Ah, y a deux rendez-vous à l'arène. Bon, là, c'est là, c'est là, c'est l'arène. On est là. Salut. Bonjour. Je vous connais pas. Bonjour. Restez pas planté là, tirez-vous. Ah mais mec, t'es en caleçon là. nécessite persuasion niveau 2. Très Attendez, bien. On va voir ça. Allez, est-ce que je peux pas mettre persuasion... Ouais, je vais dégager. Je vais voir si je peux pas mettre persuasion de niveau 2 parce que... Inventaire... Non, c'est pas du tout l'inventaire, c'est les capacités, le personnage, voilà. Alors là, j'ai quoi? Instinct de survie. C'est ça hein, qu'il faut que je change. Non, pardon. Persuasion, c'est ici. Non, c'est pas là, ça c'est la chimie, les signes. Persuasion. Ici. Et donc là je devrais l'avoir. Hey, je vous cause. Vous comprenez ou quoi? Tirez-vous d'ici. Tirez-vous d'ici. Non, pas du tout, je ne me tirerai pas d'ici. Voilà, écoutez-moi bien, vous allez me laisser rentrer. J'utilise la force là. Entrez. Qui est le chef ici? Igor, tout le monde l'appelle. Ah oui, le mec il a aucune volonté. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Un accès de sincérité, rien de plus. Voilà. Mais changer de dégaine, sérieusement. Et donc nous rentrons dans l'arène pour cette fin d'épisode parce que oui, c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi. Préparez-vous. Et ce sera bientôt votre tour. Salut. Je suis prêt. Ouais, moi aussi je suis prêt. Bisous à tous, bye bye.